Avant le salut, nous étions enfants du diable. Vous, vous avez pour père le diable, et votre volonté est d'accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle selon son propre caractère, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8:44. En tant que croyants, nous sommes toujours confrontés aux tentations de Satan et luttons contre le vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses. À vous dépouiller du vieil homme qui se conforme à votre ancienne manière de vivre et qui est corrompu par les convoitises trompeuses. Éphésiens 4:22. Lorsque nous satisfaisons les désirs de la nature pécheresse, nous nous livrons à nouveau à l'impureté et à la corruption du diable. Mais revêtez-vous du Seigneur. Jésus-Christ n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13-14. Plus nous aimons Dieu, plus nous haïssons notre péché. Nous ne nous appartenons pas, mais nous appartenons à Dieu. 1 Corinthiens 6-20.